particulièrement au cardinal Barbarin. J'étais dans un petit village malgache, j'avais probablement de la fièvre, je devais avoir une grippe. Je pensais que c'était le palu, mais en fait non, c'était juste une grippe. C'était la veille de Pâques, il faisait chaud, il y avait des moustiques, il pleuvait. Je me suis senti très seul en fait. Et là, j'ai éprouvé le désir d'une compagnie, j'ai éprouvé le désir d'une femme en fait. Et ce désir-là qui est tellement naturel, qui est tellement évident, qui est normal, qui est paisible, je l'ai raconté. Souvent on dit, si tu as des désirs ou des pulsions sexuelles, équilibre ta vie, va faire du sport ou prends une douche. Non, la sexualité c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué, de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus profond. Hein, ça dit quelque chose de la profondeur de notre humanité. Et donc j'aurais plutôt tendance à lui dire, trouve ton équilibre dans le choix que toi-même as fait, c'est-à-dire dans ton choix de vie. Avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant la... On a percé un abcès en révélant toutes ces affaires de pédophilie. Moi, je suis très heureux que ces affaires soient révélées. Hein, et j'encourage tous ceux qui peuvent le faire à parler, à s'exprimer, pour que l'abcès soit percé. Parce que la condition de possibilité d'un changement, d'une évolution, d'une conversion, c'est d'abord de reconnaître le mal, hein, de l'identifier. Donc, en ce moment, on le reconnaît. En fait, la période est favorable, vraiment favorable. Les gens disent, oh, c'est terrible ce qui nous arrive. Non, c'est très bien ce qui nous arrive.